passé, non? Ah, d'habitude, il n'y a pas de livre dur, d'habitude. Tu vas bien? Tiens, ton micro, tu dois le brancher. Voilà, allô? Ah, on dit, d'habitude, tu n'as pas été voiture ou d'habitude? Des vélomoteurs ou des cyclomoteurs. Alors, le mois dernier ou le mois d'avant, j'ai vu avec cette voiture-là, mais il était trop tard pour la présenter. J'avais dit, on la présentera une prochaine fois. Et bien, la prochaine fois est arrivée, c'est aujourd'hui. Alors, raconte-nous, parce que moi, je connais bien ce modèle-là. Mon papa, il en avait une. Oui, alors s'il s'agit d'une Dyna Z Panhard modèle Z12, c'est un modèle, si vous voulez, dans les Dyna Z, vous avez la Z1. La toute première, voilà, sortie en 53. De mémoire, fin 53. Fin 53, ouais. Voilà. Et après, vous avez la Z, globalement, vous avez la Z5, la Z11, la Z6, Z12 et ensuite Z16, les toutes dernières. Voilà. Les toutes dernières, après on passe à la PS17. C'est ça. Alors pour faire simple pour le public, parce que c'est très compliqué, dire que le premier modèle sorti en 53, qui remplaçait, on se rappelle tous, la petite Dyna, hein, qui était déjà en alu, la première série donc était aussi en alu comme sa devancière. Oui, elle était avec la caisse toute alu. Jusqu'en 54, mais il y a eu des problèmes de coût de fabrication, je crois. Ça coûtait très cher. Donc ils sont passés progressivement au tout acier. Alors il y a eu des modèles qui étaient mixtes, c'est-à-dire on avait la carrosserie en acier. La carrosserie acier. Et les ouvrants avec sa Renault, en aluminium. Et après on est passé carrément au tout acier. Alors oui, ce modèle-là est un modèle tout acier. D'accord. Donc du coup la voiture a pris au fil des années un peu de poids, parce que la voiture à l'origine, elle était très légère. Je crois qu'elle fait 100 kg de plus, celle-ci, que le modèle tout à l'heure. Elle doit faire dans les 870 kg, je crois. Ouais, la première faisait... La première, 750 kg, encore moins de ça, je crois. Voilà. Il faut raconter quelque chose quand même, c'est qu'à l'époque, si Panhard a fait des voitures en aluminium, c'est qu'ils avaient, à l'époque, après la guerre, il y a eu le plan Marshall. Qui c'est qui avait le plan Marshall? Personne? Le plan Marshall. Pense, qui était inclus dans le plan Marshall en fait. Et bien sûr, il y a des constructeurs qui ont été sélectionnés pour bénéficier de ce plan Ponce. Et Panhard ne faisait pas partie. Grégoire qui avait fait une voiture, voilà. Voilà. Le Grégoire, qui est un ingénieur français. Voilà. Et après, bien sûr, dès qu'ils ont pu bénéficier de l'acier, hein, au bout de quelques années, ils ont fait les voitures en acier, parce que bien sûr, ça revenait le coût final était beaucoup moins important. Hein. Voilà, c'est la petite histoire. Donc celle-ci, c'est une des dernières. Alors, c'est pas les toutes dernières. Et quelle année celle-ci? Elle est de juin 58. Juin 58. Sachant que les... Et mieux, hein. Alors, les derniers modèles sont sortis. La nuance, c'est grossièrement, sur les derniers modèles, c'est le démarreur à clé et les roues en... Démarreur à clé sur les derniers modèles. Et vous avez des roues en 145-380. D'accord, là c'est précis ça. Là elle est montée encore en 145-400. 400, ouais, très bien les pneus. Alors où c'est que tu as trouvé ces pneus-là? On dirait qu'ils sont neufs ces pneus, regardez les pneus. En fait ils doivent avoir 21 ans. 21 ans? Ah ouais, ils doivent être bien durs quand même. Hein. Ouais, je pense qu'il faudra les changer. Parce que c'est les fameux pneus Michelin X. On se rappelle, c'est Michelin X. Alors les pneus X, c'était une option sur ce modèle-là. On n'entend pas, je crois pas. Hein. On n'entend pas le micro. Alors, voilà, comme ça peut-être. Ouais. C'est mieux comme ça. Vous m'entendez là? Voilà, si. Ouais. Alors c'était les pneus X, c'était une option Panhard, puisque vous aviez en modèle de base, sur les versions Biton, hein, mais on va y revenir tout à l'heure, vous aviez des flancs blancs. Et vous aviez la possibilité d'avoir des pneus X pour 4000 francs de plus de l'époque. 4000 francs. Là, on parle en ancien franc. En ancien franc. On parle en ancien franc quand même. Mais quand même, ça faisait quand même un certain prix. Voilà. Et donc, ces pneus-là sont ils ont été achetés par l'ancien propriétaire, je crois, en 97. Bon, peut-être penser à les changer quand même. Je pense. Bon, alors, on commence par quoi? Par l'intérieur? Alors, Allez, l'intérieur. Regardez les poignées intégrées.
dans la baguette, en pas en chrome, hein, en inox. En alu. En alu. Et regardez la portière, comment elle s'ouvre. Ah, c'est original, ça. Vous pouvez ouvrir l'autre côté, je pense, ouvert, pour que les gens puissent voir. Regardez la portière, comment elle s'ouvre. Alors, qui a connu ces voitures-là? Mon papa en avait une. Personne? Dans la famille? Non? Alors, bien sûr, ce sont des portes. On appelait ça les portes suicides. Pourquoi on appelait ça les portes suicides? Personne ne sait? Les portes suicides. Parce que des fois, en roulant, la porte, elle s'ouvrait toute seule. La porte, elle s'ouvrait toute seule, et puis, ben, en voulant la rattraper, ben, hop, on tombait de voiture. Et ici, il y a eu des accidents. Il y a eu un accident en 57 où il y a une femme avec un enfant qui a été éjectée par la porte. C'était trop dangereux. Les deux chevaux étaient beaucoup de voitures à l'époque, hein. Ça s'ouvrait comme ça. Et d'ailleurs, les dames, quand elles sortaient de voiture, il y avait une technique quand même pour pas qu'on puisse voir ses dessous. Voilà, pour en faire. Voilà. Donc il y a eu toujours une technique pour sortir de la voiture élégamment. Hein, les femmes à l'époque avaient des robes assez invasives. Alors. Et regardez, je m'assois, je me permets, je ne t'ai pas demandé. Regardez, c'est une banquette. Voilà. Regardez, c'est une banquette. Ce qui veut dire, regardez à l'arrière, on peut mettre combien de personnes dans cette voiture? La carte grise est 6 places. Voilà, 3 à l'avant et 3 à l'arrière. Et pourquoi 3 à l'avant? Regardez, il n'y a rien qui gêne. Parce que d'abord, on a une traction avant, donc il n'y a pas de pièce de transmission. Et le levier de vitesse. Et bien regardez, il est au volant, comme beaucoup de voitures à l'époque, dans les années 50. Hein, ça passait très bien les vitesses d'ailleurs. Une petite boîte de vitesse là-dessus, hein, assez fragile. Je crois qu'il faut bien décomposer les vitesses. Il faut bien décomposer le mouvement. On a 4 vitesses, il faut bien décomposer. On a un tableau de bord qui est assez révolutionnaire à l'époque. On a tout qui est groupé devant, regardez. Alors le tableau de bord et globalement la partie centrale, là, la partie centrale, le commodo, il y a beaucoup de plastique parce que je pense que c'était pour alléger le poids de la voiture. C'est voilà. Les premiers à avoir utilisé. On a vraiment un ensemble compteur, tout est groupé là, plastique, qui vieillissait assez mal d'ailleurs à l'époque. Hein. Il se déforme. Il se déformait, il jaunissait, avec le temps c'est du plastique, hein. C'est normal. Et on avait des intérieurs assez sympas, regardez. Alors ça, c'est l'intérieur, c'est du dinyl. Du dinyl. Pelage de biche. Pelage de biche. C'est imitation. Comme ça, s'il te plaît. Voilà, c'est ça. Pelage de biche. Imitation, pelage de biche. C'est assez sympa comme terme. Regardez, on le retrouve sur le tableau de bord. Pelage de biche. Voilà. Alors, des voitures assez en avance au niveau sécurité. Parce que regardez, en cas d'accident... bien sûr, il y a le volant qui arrive là, mais regardez là, il n'y a pas d'aspirité. Ouais, et le pare-brise était auto-éjectable, je crois. Oui, et vous aviez il y a de la mousse. Il y a de la mousse dedans. Au niveau sécurité, on se fait pas mal. Voilà. Et juste le volant, bien sûr, qu'on prendra dans les côtes. Regardez les pédales, elles sont énormes. Regardez la taille des pédales. Regardez. On ne peut pas les louper. Hein. C'est presque ma taille. Voilà. C'est presque ma taille. Des petits logements un peu partout, une radio. Alors il faut savoir qu'une radio à l'époque, ce qu'on avait, franchement, les voisins, il y avait une radio dans sa voiture. Le point, un élément de luxe, une option qui était très chère à l'époque. L'option radio, c'est réservé à la modèle grand luxe, oui. Le modèle grand standing. Il faut savoir que la voiture de base valait 690 000. Et l'option radio valait 50 000 francs. D'accord. Vous voyez, ça fait, pas mal. Un peu plus de 10% de la voiture. Ça fait beaucoup quand même. Alors que la peinture Biton, par exemple, l'option Biton, c'est 25 000 francs. 25 000 francs. Et pourtant, l'option Biton est beaucoup plus rare. Ouais. L'option radio. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Non, parce que je pense que les gens avaient peur de la revente au niveau des Bitons. Peut-être, oui. Tu as mis des ceintures de sécurité, mais bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de ceinture. Le premier propriétaire a dû les mettre dans les années 70. Ouais, en sécurité. Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, pas tellement vous montez des ceintures de sécurité, même si ce n'était pas pour faire toute la voiture, vous êtes obligé de les mettre. Voilà. On remarquera qu'à l'arrière, bien sûr, on a de la place. Regardez pour les jambes, regardez la place qu'on a. Vraiment, on est très très à l'aise. Regardez, on a l'action automobile d'époque, regardez.
Voilà. Excellent, hein. Et elle est en biton comme la tienne, c'est pour ça sans doute que tu l'as. C'est ça, j'ai acheté, c'est la version ivoire et tabac, donc sortie uniquement en 58. Alors je lis ce qui est marqué dessus, hein. 1958 fera pour vous le plein des joies de la route, c'est le vœu que forme la Dina Panhard en vous offrant ses kilomètres les meilleurs. Voilà, c'est vraiment de la publicité d'époque. Et c'est vrai que c'est une voiture agréable, je me rappelle quand j'étais enfant, j'ai traîné mes culottes courtes à l'arrière. Et c'est vrai que j'ai des très bons souvenirs de cette voiture. Voilà. On a un coffre aussi qui est assez imposant. Oui, alors attendez. Ah, des feux assez imposants. Les premiers modèles n'avaient pas des gros feux comme ça d'ailleurs. Des tout petits feux. Les feux arrivent en 56, je crois. Ouais, et au départ, vous avez que des catadiopes. Des vous avez un éclairage de plaque centrale. Voilà, c'est ça. Et après, apparaîtront sur les dernières versions, à la fin de la carrière de cette voiture, ces gros feux-là. Et vous avez une variante ? Pour reconnaître les modèles haut de gamme, vous avez un petit signet en alu des feux arrière que vous avez pas sur les modèles. C'est vrai? Ouais, d'accord. Il y a plein de petits accessoires. Alors les caoutchoucs ont bien vieilli, hein, c'est ouais, normal. Les pare-chocs, c'est en quoi? C'est de l'alu. C'est de l'aluminium. Ouais. D'accord. Ok. Les petits éclairages de plaque encastrés dedans. Et on reconnaît aussi les dernières versions, les premières Dina Z, on a sorti centrale au niveau du pot d'échappement. Ah oui, j'en ai vu comme ça. Il y a eu un décalage après. D'accord. Là, on est dans les dernières. Ok. Marqueur aussi par rapport à l'autoradio, l'emplacement du haut-parleur à l'arrière. Alors, on est dans du mono hein, à l'époque. C'est pas du... Alors regardez le coffre, il est impressionnant aussi. Regardez ce coffre. On a la roue de secours, hein. Qui est pareil, qui est d'époque. Regardez ce profil. Et on a une petite séparation. Ah oui, on a un petit logement. Pour pas que les bagages soient en contact avec... regardez ce coffre, profondeur. Alors la banquette arrière se rabat normalement. La banquette arrière se rabat. Oui. Ah. Alors il y a le... Oui, et même elle ferme à clé en plus. Regardez cette petite attache. On peut rabattre et mettre des choses un peu plus longues. Ça, je ne savais pas. Et la fermeture à clé du coffre, ouais. C'est la dernière version. On rappelle aussi que les jantes, comme les 4 chevaux de l'époque et les premières dauphines, les voiles sont démontables. Oui. Alors regardez. 5 écrous autour. Voilà. On est bien sur des tambours, et des tambours, je crois, en aluminium. Non, je ne saurais pas dire, il faudrait demander aux spécialistes. De mémoire, je pense que les tambours étaient en aluminium. Là, j'ai pas démonté les pièces. Ouais. C'est très beau à voir d'ailleurs. Avec des stries dessus. Ouais. Voilà, c'est ça. Avec des stries. C'est modélo, je ne suis pas sûr. T'es pas sûr? Ça, vérifier. On a des clignotants qui sont sur les côtés. Sur les ailes. Sur les premières versions, vous auriez des clignotants ici aussi. D'accord. Et à partir de 58, ça a beaucoup évolué. Elle a évolué dans la ligne. On va regarder ce moteur quand même. Après, on passera à la route, ça qui se prépare déjà. Après la foire. On terminera avec cette voiture, la Lotus. Ah, oh, c'est étonnant, tout se lève. Regardez-moi ça. Ah oui. Regardez ça. Faut se pencher quand même. Hein. Je me rappelle mon papa, moi, 2-3 fois, il s'est bien cogné là. Et c'est lui qui avait des traces. Mon papa était bien cadeau. Alors on va se mettre accroupi. Alors, raconte-moi, donc c'est un bicylindre, hein, il est connu le bicylindre noir. Bicylindre type aérodyne. Aérodyne, c'est par rapport à ça. Voilà, ça c'est carénage de turbine. C'est sorti avec un refroidissement à air avec une turbine. Une turbine, on la voit bien la turbine. C'est ça à partir de 56 ou 57. Ça donc refroidissement à air, donc ça force le refroidissement. Ouais. Ça force le refroidissement du moteur. Par ce carénage, on force le refroidissement et ça refroidit beaucoup mieux. Et donc comme tous les moteurs à plat, ben, regardez les bougies sont faciles à changer, regardez. Hein, le fil de bougie. Vous avez aussi sur ces moteurs-là le carénage des cylindres. Ça va jusque là. Il n'y a pas sur les premiers modèles. Il n'y a pas sur les premiers modèles. Et vous avez aussi le chauffage.
il n'y a pas non plus sur les tout premiers modèles. Il n'y a pas de chauffage du tout sur les premiers modèles. Non. D'accord. Ces gros tuyaux-là amènent la chaleur dans le... La batterie, c'est du 12 volts. Ça, c'est... Voilà. 12 volts, c'est pratique pour le... Vous remarquerez, hein, pour les spécialistes, les cardons, on les voit très très bien, regardez. Ils sont traction avant, bien sûr, hein, pour avoir, après la guerre, on n'a fait que des tractions avant. On voit très bien le cheminement du faisceau aussi, sur le côté, là, pour les phares. Hein, les phares sont là-haut. Le bocal, là-bas de... C'est le lave-glace. De lave-glace. L'essuie-glace, ici, le petit moteur. Voilà, le moteur d'essuie-glace. Et on a accès à... À des trappes. Voilà, la trappe que vous avez à gauche, là, permet l'accès à l'autoradio. Ah, d'accord. Donc, même quand vous n'aviez pas l'autoradio, vous pouviez l'installer avec... D'accord. Démonter la trappe. Pour accéder au branchement. Enlever l'autoradio et enlever son transformateur qui est en dessous, original. Qui est derrière le... D'accord. Et là, il y a une option aussi qu'on trouve sur les grands luxe, grands standing, c'est la... Vous voyez le coupe-batterie, là. Il part du... C'est ça, ce voilà, là ça, au... c'est un coupe-batterie. Au tableau, là. Ça, on l'a que sur les versions de gamme. Donc c'est un... On tire sur une tirette, un câble, ouais. Et ça coupe la batterie. Voilà, là, elle est coupée, par exemple. Elle est coupée, d'accord. Le petit carbu, hein, qui est vraiment pas gros non plus. Alors, le carburateur qui est présenté ici, c'est un carbu des premières PX7. Parce que le propriétaire d'avant avait un peu peur des incendies et il avait peur que le carbu prenne feu à cause des flotteurs en étant. Ah d'accord. Là il y a un flotteur. Plus cher. Ouais, il y a un peu plus cher. Par contre, elle consomme un peu plus. Elle consomme un peu plus, bon, c'est pas grave. Et ça, dis donc, c'est original. Les gens, ils ont dit, tiens, il y a un phare au milieu. C'est pour pas le faire. On va demander au public, c'est quoi ce phare au milieu? Alors c'est un anti-brouillard, mais il y a une petite histoire là-dessus, tu vas nous raconter. Je crois que l'anti-brouillard a été interdit en 61, avec une loi sur les modèles récents, et en 62, une loi rétroactive. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de s'en servir, j'ai vu le déconnecter, ouais. Voilà. Alors, tout... Alors apparemment, dans le texte de loi, on doit pouvoir le connecter ou pas. Ah d'accord, ouais. Okay. Alors tout ne l'avait pas, l'anti-brouillard. Le modèle luxe avait une langue. Juste une, voilà, il n'y avait pas de face, c'est juste un style de voilà. D'ailleurs, pour reconnaître des grands standings, vous regardez la plaque de série de mine. Oui. Et vous avez, voilà. La plaque point le code, vous avez le code carrosserie. Le ouais. Code carrosserie permet de savoir si vous êtes sur une grand standing ou une grand luxe. D'accord. Ou une luxe. Ok. Vous avez la BLS et la berline luxe spéciale. La BL berline luxe. BGL, berline grand luxe, et la BGS et le berline grand luxe. Il connaît le sujet sur le bout des doigts. Bah, c'est bien fait. Comme le moteur. Je connais toujours. Alors, petit mot de la fin. Tu as acheté ça pourquoi? Par passion, par hasard, ça peut arriver. Ou tu voulais vraiment cette voiture-là? Je voulais vraiment cette voiture-là depuis presque 10 ans. Donc 10 ans pour chercher une. Ouais, parce que tu m'as raconté que tu as galéré pour en trouver une. J'ai galéré pour trouver une bicolore d'origine. Ouais. Tu voulais vraiment une bicolore. Parce que tu as acheté une voiture bar normale, tu l'as peignée en bicolore, c'était simple. Ouais, mais il y a plein de petites options. Ouais. Les civiers sur le tableau de bord. Ouais. Vous avez plein de petites options qui n'existent pas sur les modèles normaux. Donc tu veux vraiment sur le... Toi, tu es un maniaque. C'est ça. Ouais, t'es un maniaque. Alors effectivement, les bicolores avec les flammes de côté, vous avez des baguettes que vous pouviez racheter. Oui, pour pouvoir les recoller. On peut faire un bicolore. C'est ça, mais sur les originaux, les baguettes sont agrafées. D'accord. Et évidemment, vous avez l'indice... Et comme tu disais, les bicolores, elles sont rares. Aujourd'hui. En fait, c'est surtout que... Je dirais qu'il y a peut-être une sur 30 en bicolore à vendre. Ouais. Or, aujourd'hui, il faut payer. Tu l'as trouvé où cette voiture-là? À la frontière belge. À la frontière belge. Ouais. C'est une voiture française, hein. Elle était dans l'Indre-et-Loire à l'origine. Dans l'Indre-et-Loire à l'origine. Comment vous l'avez trouvé cette voiture? Il y a eu des versions camionnettes, il y a eu des versions cabriolets, qui sont très chères aujourd'hui, très peu, il reste très très peu. Hein. Les cabriolets, je crois qu'il y en a eu 300. Ouais. Il y a eu les Panhard Dyna 7, c'est 140 000 de produits. Ouais. On sait pas, actuellement, il n'y a pas de recensement sur la production des bitons. C'est difficile de savoir. Je pense que c'est à peu près 3-4 000. Voilà. Alors, le public l'a trouvé sympa cette part, elle est vraiment dans un très bel état. Il l'a acheté comme ça, hein, t'as rien fait. Tu comptes la garder comme ça, je pense. Je vais l'entretenir. L'entretenir. Il y aura des travaux de carrosserie peut-être à faire. Voilà. Ben, écoutez, vous pouvez l'applaudir parce que vraiment, c'est une très très belle voiture. On va être très,
pratiquement plus sur nos routes aujourd'hui, bien sûr, et même dans les rassemblements, ça se fait rare. Hein. Au revoir à toi. Et c'est toujours un plaisir de qu'on t'accueille ici. Voilà, on va laisser repartir. On va passer à la dernière voiture, la Lotus, que vous voyez derrière vous.